Oups. Et oui, on se retrouve aujourd'hui. Bon, Noël est déjà bien passé, mais c'est encore une vidéo de Noël. Puisque bah, vous avez été nombreux à commenter sous ma précédente vidéo où je vous montrais les cadeaux que j'offrais à mes amis et à ma famille, et vous vouliez voir mes cadeaux, mais je ne serai pas seul pour vous montrer mes cadeaux. La personne qui va venir va vous montrer également ses cadeaux. Je vais bien sûr parler, de toute façon vous le savez déjà, vous l'avez vu dans la miniature, de l'unique, l'irremplaçable, la magique, l'espiègle, la rigolote, la merveilleuse, la gourmande, ma chérie à moi. Coucou tout le monde. Maggie! Salut tout le monde! Alors, on va regarder les cadeaux? Bah oui, voilà, elle raconte, elle fait sa vie, ça y est, c'est devenu une vraie petite youtubeuse. Bonjour, bisous! On est réunis pour les meilleurs et pour les meilleurs. Ouh, t'as les mains froides. On est là pour parler de quoi, Maggie? Cadeaux! Oui! Puisque bon, bah dans la précédente vidéo, je vous avais montré un peu les cadeaux que le Père Noël allait offrir à Maggie de ma part, mais elle a eu d'autres cadeaux que je ne vous ai pas montrés. Et elle va vous les montrer elle-même. Ce que je te propose, c'est qu'on montre un cadeau l'un autour de l'autre. D'accord. Tu montres un cadeau, je montre un cadeau, tu montres un cadeau, je montre un cadeau, tu montres un cadeau, tu montres un cadeau, tu montres un cadeau, je montre un cadeau. Bon, alors, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour te faire un joli cadeau? Likez! Oui, laissez plein de petits pouces bleus, ça me ferait super plaisir, et à Maggie aussi! Oh, c'est tombé! Oh, tu en as un beau grelot! Allez, vas-y, commence, montre un de tes cadeaux! Alors, c'est une tête à coiffer! Elle l'a attrapée, elle était par terre, elle l'a attrapée comme ça! Alors, c'est une... ça fait un petit peu... Alors, c'est une tête à coiffer! Vous voyez, très belle, on peut lui mettre du maquillage... Et on peut lui la coiffer, ben voilà, le principe d'une tête à coiffer. Tout ce qu'il y a depuis tête à coiffer, tu avais plein d'accessoires avec, tu avais des broches, tu avais quoi? J'ai eu des pinces avec des petites fleurs, j'ai eu un bandeau, des chouchous, des barrettes, oh. Et du maquillage. Ah. Seulement pour les paupières, un peu de rouge pour les petites doudes. Les paupières? Mais on peut pas lui fermer les yeux. Ah, tu veux dire au-dessus là? Oui. D'accord. T'as joué avec? Oui. Et tu lui as fait quoi comme coupe de cheveux? Je lui ai fait une queue de cheval en mettant une ou deux petites pinces avec des fleurs. Waouh, c'est formidable. Mais t'as pas peur que la nuit elle te regarde comme ça, genre... C'est impossible, elle peut même pas avancer, elle a pas de main. Ouais, mais imagine. Et y a pas de roulette. Ouais, mais imagine, tu la poses comme ça sur ton étagère, imagine elle te regarde comme ça la nuit, genre... Je vais te manger. Tu as aimé ce cadeau? Oui. Super, merci. À mon tour. Alors moi, j'avais demandé des manettes, parce que vous savez que je collectionne des manettes Xbox, et ma sœur m'a offert une manette, mais en chocolat. La bonne blague. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà cette manette puisque je l'avais déjà dans une précédente vidéo, donc c'est marrant que ma sœur me l'ait offert. Bien sûr, on ne peut pas jouer avec, mais on peut se nourrir avec. Manette gourmande. Mais dis, moi aussi j'ai quelque chose que j'aime bien manger parmi mes cadeaux. Qu'est-ce que c'est? C'est le E. Oh. En chocolat. Miam. Bah, tu sais, dans Max, Maxime, il y a aussi un E à la fin, donc c'est pour moi. Et aussi, il y a aussi Maggie avec un E. Oui. Alors, donc, bah, c'est pour moi, Maxime, c'est le E de Maxime. Non. Merci. Hey. J'aime voler les cadeaux des enfants. Oh non! À mon tour, j'ai eu un jeu que j'attendais depuis qu'il est sorti. C'est Star Wars Battlefront 2. Sur Xbox. Oh, vous savez à quel point je suis fan de la saga Star Wars, même en jeu vidéo. Celui-là va être trop bien. Star Wars Battlefront 2. Ouh, j'ai hâte de jouer. Bon, ensuite. Ensuite, à ton tour. J'ai un petit singe. Ouh, comment ça s'appelle ça? Je sais pas. Fingerlings. Fingerlings. Alors, on le met sur le doigt. Hein. Attendez, voilà, on le met. Et tu peux. Et si on met là. Ah. Et il rigole. Il a fait un brout. Oui. Et il peut faire quoi d'autre? Pourquoi tu le tapes? Oh la violence! Mais pourquoi tu lui tires les oreilles? Il n'a pas été fait pour être martyrisé, le pauvre! Ah, sympa! Moi aussi je peux le faire péter! Ah bah ça le fait rire en tout cas de faire des peuroutes! Il fait des bisous! Bon, on va le faire dodo parce que. Chuch! Chuch! Il est bavard! Il est mignon! Oui, il est mignon! Ah, et on peut l'accrocher aussi comme ça! Ouais! Et là il dort! Oui, il fait dodo, c'est vrai! Regardez! Oh. Et même quand on le met comme ça, il fait des bûches, genre. Ah, tu sais qu'on peut lui faire dodo? Regarde. Ouais, je sais. On fait comme ça? Non, je crois pas que ça marche. Si, si, si. Ils sont endormis. Réveille-toi. Bon, voilà, on peut le faire dormir et l'éteindre, surtout. Oups, il fonctionne encore. À mon tour, j'ai eu un autre jeu, Skyrim, sur PlayStation 4, mais la version PlayStation VR. Donc pour mettre le casque de réalité virtuelle et être dans le monde de Skyrim. Pour ceux qui connaissent, c'est de la folie. J'ai hâte de me plonger dans cet univers en réalité virtuelle et de voir les dragons en taille réelle.
ça va faire peur. À ton tour. Le cadeau le plus cool, un drone. Ouh. Télécommandé. Ouh. Par contre, il n'y a pas de caméra. Mais il est protégé par une petite sphère qui a déjà un peu cassé. Ah oui. C'est vrai que c'est un peu fragile ces trucs-là. En plus, c'est très dur à manipuler. Ouais. Alors surtout, ne l'allume pas. Non, attends. Il faut faire ceci. Il faut attendre que les deux se stabilisent. D'accord, on attend que les deux se stabilisent. Stabilisez-vous maintenant. Stabilisez-vous. Maintenant que t'as ma montre qui sonne. Stabilisez-vous. Stabilisez-vous. La 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 la. Ça se stabilise pas, Maggie. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on attend. On est mal barré. Non. Ah, mais en fait, il est pas rechargé et déchargé. Alors on l'éteint, donc c'est un drone qui vole, qui roule, qui apporte le café... Non, mais par contre c'est un drone qui fonce sur les chats. D'accord. Ça va dans tous les sens. Waouh. Et ça roule. Alors moi ensuite, mon prochain cadeau, vous savez que j'ai plein de manettes Xbox. Les manettes Xbox sont livrées avec des piles et c'est pas très pratique. Donc du coup j'avais demandé des batteries et je n'ai pas eu une batterie mais j'ai eu deux batteries plus un socle de rechargement. Dans quel sens c'est? Comme ça, on pose deux manettes et ça recharge les manettes avec la batterie. Super pratique, merci beaucoup. Toi t'as pas ça, Maggie? Peut-être, mais moi j'ai ceci. Attendez, hein. Iou, c'est lourd. Ouh. Un coffret. Coffret. Avec Je sais même pas ce qu'il y a dedans. En fait, ce sont des mangas. Ouais. Animés. Ouais. Avec les saisons complètes. Ouais. Voilà, il y a trois saisons différentes de trois séries différentes. Et il y a plein d'épisodes dedans. Si tu fais tomber, gare à toi. Et hop là. Bon, vas-y, moi, il me reste plus qu'un seul cadeau. Alors, montre-en encore un à toi. Parce que sinon, après, il restera plus que toi. Alors, il y a ceci. Quand on touche... Magie. Ceux qui ont vu la vidéo de Nanesh Candle connaissent ce jouet. Oui, alors il faut faire des figures, faut pas faire du nunchaku avec. Arrête, c'est dangereux. Donc ça s'appelle Thumbchucks. Ça va être le nouveau jouet à la mode, je pense. Il en existe de toutes les couleurs et on peut mélanger les couleurs en faisant comme ça. T'es ma boule. Allez, montre encore un jouet, il m'en reste plus qu'un. Ah, un jouet top cool. 3 en 1 dinosaure. Lego, hein. Oui, Lego. Un vrai dinosaure. Et un triceratops, un pteranodon et un T-Rex. Voilà, je sais pas dans quel ordre, je comprends pas. Mais il y a 3 Lego différents. 3 dinosaures différents avec les mêmes pièces. Ça, c'est dingue. T'as eu d'autres Lego, il me semble. Ah oui, alors c'est très gros, hein. Mais je vais montrer autre chose. Ah. Calendrier chat. On le voit pas. Regardez. C'est un calendrier avec des photos de chats. C'est rigolo, hein. Parce qu'elle voulait absolument. Elle adore les chats. Tu mettras dans ta chambre? Oui, et sur la couverture, il y a notre petit chat Brigand. Ouais, on dirait trop notre chat. Oh, il est beau celui-là avec ses yeux bleus. Et moi, mon dernier cadeau, mais pas le moindre, j'ai eu de l'argent. Puisqu'en fait, voilà, j'ai comme projet de changer d'ordinateur. Un ordinateur sur lequel je monte les vidéos, parce qu'il commence à devenir un petit peu vieux et à ramer un petit peu. Bon, un ordinateur, vous le savez, c'est un investissement, ça coûte cher. Donc j'ai demandé de l'argent, j'en ai eu. Merci beaucoup, ça va m'aider à payer mon ordinateur. Oui. Alors maintenant, à toi, prochain cadeau. Alors celui-là, il est très gros. C'est du Lego, un univers. T'adores les Lego, hein? Vous voyez, ouais, là. C'est un univers, là. Complètement. Il y a carrément... Mais là, on voit pas, c'est trop près. Une panthère. Ah oui, mais elle attaque les gens. Il y a un véhicule. Il y a une cuisse de poulet. Et il y a un diamant. Non mais sérieux, j'adore les cuisses de poulet Lego. Miam. Et donc t'aimes bien les Lego, t'aimes bien construire les trucs et tout? Ouais. Ah, c'est bien ça, super. Qu'est-ce que t'as d'autre? Alors mon drone est parti, hein. Le drone il a roulé par là. Alors ça c'est son plus beau cadeau je crois. Des lunettes de plongée. Mais et une bouillarde. Non, en fait on lui a fait une blague, on lui a fait croire qu'elle avait ça comme cadeau. Bah, en fait le cadeau se trouvait en dessous. Alors j'ai eu des CD, alors... Attends, je vais faire la présentation rapide. Dorothée. CD de Dorothée, compilation, pour ceux qui connaissent. Kenji Girac. Bon, vous connaissez Kenji. Encore Kenji Girac. Bon, vous connaissez Kenji. Et le nouvel album de Shine. Elle est fan de Shine. Shine c'est son idole, elle l'adore. Et pour finir, le plus beau des trucs, l'iPod. Ouais. Avec différentes tailles pour écouter. Pour l'écouteur, parce qu'en fait mon père il avait un iPod. Bon, pour ceux qui connaissent, hein, l'iPod c'est un baladeur MP3. Avec des choses pour rechercher. Oui d'accord, mais je parlais la guide. Des machins. Et en fait ça c'est modèle assez ancien, mais c'est un modèle de collection. Il y a 8 gigas, on peut mettre plein de musique dedans. Bah du coup c'est son premier baladeur MP3. C'est cool. Ça c'est cool. Vive la musique. Il te reste un cadeau encore il me semble. Oui. Il lui reste un dernier cadal. Un cadal des cadeaux. Bon ben elle a déjà commencé. Autocollants. Ouais, elle a déjà commencé à jouer avec. Et c'est Popstar. Popstar top modèle. En fait on colle des autocollants et on crée des vêtements avec du papier à découper. On crée c'est des Gaga. Filles. On crée des stars. C'est écrit là. Donc voilà, on peut créer des vêtements, ajouter des autocollants, mettre des feutres et tout. Tu vas construire des immeubles avec des Lego. Tu vas designer des vêtements. Tu vas conduire du drone. Tu vas faire ta coiffeuse et tu vas écouter de la musique. Tu vas aussi regarder des... Oui mais moi je trouve que tout ça c'est très artistique, très créatif. Et aussi faire des figures. C'est bien ça. Tu aimes bien créer des choses avec tes 10 doigts. 20. Oui mais tu crées pas des choses avec tes pieds. Si, regarde. Ah, elle est en train de coiffer sa coiffeuse avec ses pieds. Je vais pas vous montrer mais c'est une scène assez éprouvante. Alors Maggie, est-ce que tu es contente de tes cadeaux? Ah bah ouais. Ouais. T'as passé un bon Noël? Eh ben ouais. Ouais, bah ouais. Allez.
Alors, on n'a pas pu vous montrer, mais il y avait plein de pièces en chocolat. Et ça va vous étonner, mais il y avait carrément des billets de 20 et des billets de 500 en chocolat. Bon, tu les as tous mangés encore ? Non. Hier... Oui, il faut qu'on vous raconte. Hier, on fait le réveillon de Noël. Et on mange, on ouvre les cadeaux après. Et juste avant d'aller se coucher... Maggie arrive à faire « je me sens pas très bien ». 5 minutes plus tard, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle a vomi partout ! Même dans les escaliers ! Dans les escaliers, dans les toilettes, par terre, c'était sympathique, c'était la fête du vomi ! Notre vidéo n'est pas sur le vomi. Non, pas du tout ! Alors qu'est-ce qui se passe dans une semaine ? Le nouvel an ! Bon. Et après le nouvel an, la galette des rois ! Et après la galette des rois ? Mon anniversaire ! Le mien d'abord, peut-être ? Oui, ton anniversaire ! Bon bah écoutez, il est temps de vous laisser à vos occupations de Noël et des fêtes. Nous, on va aller jouer avec tous ces jouets, ces jeux, c'est formidable. On vous retrouve peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être sur la chaîne de Nadège, je ne sais pas. En attendant, qu'est-ce que tu as envie de leur souhaiter pour la nouvelle année, puisque tu ne les verras peut-être pas avant ? Ben, je vous souhaite une bonne année, un joyeux Noël. Non, joyeux Noël, c'est fini. Ah, oh bon, joyeux Noël quand même. Hein. Je vous souhaite d'être en bonne santé et d'être heureux. Oh, formidable. On a besoin que de ça. Eh bien, moi, je vous souhaite exactement non, la même... Non, on a aussi besoin d'eau fraîche pour vivre. Moi, je vous souhaite exactement la même chose. Je vous fais plein de gros bisous et on vous fait plein de gros bisous. Passez un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre, de la nouvelle année, du passage de boum, 3, 2, 1, wouhou, bonne année et tout. Et amusez-vous bien. Sur ce, on vous fait plein de gros bisous. N'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus. Et également, abonnez et activez la petite cloche pour ne rater aucune notification et rejoindre la meilleure famille d'Internet, la Max Family. Ouais, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.